c'est assez simple. Dans notre ligue, on n'est pas habitué à jouer à cette intensité tous les soirs. Et après, quand ça arrive tout d'un coup, un match comme ça, justement, on a joué deux matchs derrière avec une intensité vraiment catastrophique, en gagnant de 30-40 points. Et après, si d'un soir à l'autre, on doit faire ça et venir jouer ici, on n'est pas prêt. Et c'est très difficile, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à changer l'intensité d'un soir à l'autre comme ça. Quel est votre avis sur l'équipe de Yerevan? C'est une très bonne équipe, mais je suis quand même persuadé qu'on peut faire quelque chose chez nous. Une très très bonne équipe, et on le savait, c'est pas une surprise. Surtout à l'intérieur, une très 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 bonne équipe. Je connais beaucoup d'équipes françaises et on dit toujours que les équipes françaises ont beaucoup de mal à shooter à l'extérieur, mais ce n'est pas le cas avec cette équipe, donc ça ne facilite pas du tout la tâche.